Désormais, la CAF prélèvera les pensions alimentaires directement à la source. Pour de nombreux parents célibataires, dont une grande majorité de femmes, récupérer la pension alimentaire auprès de leur ex-conjoint relevait jusqu'ici du parcours du combattant. Pour faire face aux nombreux impayés et inverser la charge de la demande, la caisse d'allocation familiale se chargera désormais de prélever directement les sommes sur le compte du parent débiteur. En France, environ 3 pensions alimentaires sur 10 ne sont pas payées ou payées de façon aléatoire. Une situation qui plonge souvent le parent en charge du ou des enfants dans une situation de grande précarité. C'est aussi une source supplémentaire de tension au sein des couples séparés. C'est pour régulariser cette situation que la CAF jouera les intermédiaires à partir du 1er mars 2022. Ainsi, en cas de divorce devant un juge, l'organisme se chargera automatiquement du prélèvement de la somme sur le compte en banque du parent débiteur et du versement de la pension à celui ou celle qui a la charge des enfants. Bien sûr, si les deux parents le demandent, ils pourront se passer de l'intervention de l'organisme en s'arrangeant directement.